Diplomate Pierre-Antoine, lui, qui m'a dit pour policier, on a tête collée avec force l'armée et puis force multinationale à travers ensemble. Notre objectif pour arriver à traquer les bandits avec Zamio. Pierre-Antoine, lui, qui pensait capable de gros laisser frapper un bandit avec force multinationale là, m'a dit autorité dans l'État pour entendre pour arriver à établir la sécurité dans le pays. En côté ancien diplomate dans les Nations Unies, Pierre-Antoine, lui, dans le micro Caraïbes FM. Oui, Maïs a demandé au Conseil de sécurité pour le déploiement de la mission. Ça a été fait en octobre 2022. Il y a un an, mais mission, le Conseil de sécurité a délivré. Les États-Unis d'Amérique font un paquet d'efforts. C'est grâce aux efforts des États-Unis d'Amérique que la mission a déployé. C'est armée de l'Erio mené des équipements Vinla pour que la base logeant le quartier général de la mission à l'aéroport international de Port-au-Prince arrive dans le pays. C'est Américain qui a sécurisé ce site-là à travers des contractants. C'est eux-mêmes qui mènent l'avion là chaque jour. Maintenant, semblé que la mission a déployé dans les jours qui suivent, le 23 et le 26. Le président Kenya est aux États-Unis, à Atlanta. Le 23, le président Biden a recevoir nos missions. Excusez-moi plutôt, dans une visite d'État. Bon, c'est la première fois dans 12 ans que ça a fait avec un président africain. Donc, ça a témoigné de l'importance que les États-Unis attachaient à déploiement de mission. Hein. Donc, déploiement de mission a coïncidé avec visite d'État ça aux États-Unis. Donc, une leçon qu'on a tirée, c'est que les États-Unis voulaient faire la fête, comme on dit toujours dit sur les zones de Caraïbes et d'autres médias. Et maintenant, Haïti, bien pour lui, fait fort que la mission a venu. Haïti gagne une stratégie de restauration de l'autorité de l'État dans les zones assiégées par les bandits terroristes qui ont terrorisé les peuples haïtiens. Et puis Haïti gagne, le monde est venu, c'est pas eux-mêmes qui ont résolu le problème, non, ils ne sont pas là pour résoudre le problème. Le maître mot de mission 1, c'est appui. Donc il a bien appuyé les forces de sécurité haïtiennes. Donc c'est dans ce sens que Haïti doit parer, le monde est venu pour le dire. Mais menace là, mais cartographie menace là, mais stratégie nous-mêmes que nous gagnons, que nous avons appuyé nous avec, parce que la police nous, avec force armée nous, ne peut pas faire ça, 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 ça. Au niveau tactique, nous permet pour aider nous. Maintenant, est-ce que Haïti paraît? Bon, bref, Haïti a des problèmes de gouvernance. Il y a un conseil du présidentiel de 9 mois qui a tâtonné. Presque 5 jours, qui a fait 11 mois depuis le conseil a réussi à mettre en place, alors que c'était en gestation depuis le 11 mars. Pas grand-chose pratiquement qui fait. Le conseil a désorganisé. Pas grand premier ministre. Bon, un gouvernement a pas conformé. Le gouvernement qui a géré les affaires courantes, même pas qu'il n'a pas ramassé dans le pays à voir pour aider avec le déploiement d'une force multinationale. C'est la cacophonie totale au niveau haïtien. Donc, on va vous douter que le momentum stratégique là fait dur. Parce que, effectivement, le mission est arrivé. Il n'y a pas qu'à passer trop de temps chez Tana Basli, à attendre l'autre troupe et l'autre troupe policière et militaire vini. Très, très rapidement, le vini. Pour même quand la PC acclimaté, lui démontrer qu'il est à la hauteur de mission que le Conseil de sécurité à Balia, on va vous douter que désorganisation au niveau d'haïtien, manque de capacité de la partie haïtienne capable de retarder et mise en place avec appui tactique mission qui a délétère parce que mon enfant y a gardé, nous pourrons probablement faire il faut que vous sondez l'étranger, vous pourrez laisser intimider, vous pourrez faire peur, vous pourrez être cantonné dans un basio. Si Haïti va avoir son problème, c'est ça moi. Sous plan ça, tout diplomate, il y a quelques monde qui fait quoi que, force en capable là, qui n'est de préférence capable de composer avec Bandio, ou bien en négociation avec Bandio. Il y a quelques monde tout qui dit que il pourquoi vraiment débloquer ou tu déloger gang dans zone difficile nous parler de Gravine même ça y est dans Canaran dans cité soleil etc. ou même comme on a visé est-ce que force là qui a venu là capable déloger et négazam ça ou mettre ensemble avec la police nationale est-ce que tous les deux capable effectivement retirer nèg ça même capable d'exécuter tout pour permettre que ces dernières forces qui rentrent sur le sol là moi j'ai fait réflexion ça pas comprendre rien comme d'habitude d'abord et monter. Il suffit de lire, de s'imprégner du contenu de la résolution qui baille Fosra 3 missions. Fosra pas une mission pour la déloger bande. C'est la mission Fosra. Ok? Après, considérant yo, visage considérant yo, paragraphe 1 numéro D, mission baille mission multinationale là, 3 objectifs ou bien mission essentielle. 1. Aider police nationale là, planifier, ok, des opérations de délogement des gangs. Aider à la planification. 2. Accompagner la police nationale, l'élevage pour opérer.
opération. Donc c'est pas mission qui va le faire ça, c'est la police nationale, les forces de sécurité haïtiennes. 3. Aider sécuriser les sites stratégiques et sensibles. Par exemple, les gares routières, aéroports métropolitains et dans le bas Antibonite, qui particulièrement touché. Donc faut qu'on le comprenne. Ok, c'est ça fait assez souvent haïtien pour remonter. Par exemple, il y a le ministre a échoué. Au fait, le ministre a pas échoué. C'est haïtien qui pas comprendre que le ministre a pas là pour faire travailler au boulot. C'est haïtien qui est responsable de résoudre le problème de sécurité. Haïti demande un appui. Commission internationale là, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est responsable des questions de sécurité et de paix internationale, autorise une mission pour aider Haïti à restaurer la sécurité. Diplomate Pierre-Antoine, lui, qui m'a dit pour policier, on a tête collée avec force l'armée et puis force multinationale à travers ensemble, dans l'objectif pour arriver à traquer les bandits avec Zamio. Pierre-Antoine, lui, qui pensait capable de laisser frapper un bandit avec force multinationale là, m'a dit autorité dans l'État pour entendre pour arriver à établir la sécurité dans le pays. En côté ancien diplomate dans les Nations Unies, Pierre-Antoine, lui, dans le micro Caraïbes FM. Oui, Maïs a demandé au Conseil de sécurité pour le déploiement en mission. Ça a été fait en octobre 2022. Il y a un an, mes missions, mes Conseil de sécurité a délivré. Les États-Unis d'Amérique font un paquet d'efforts. C'est grâce aux efforts des États-Unis d'Amérique que mission a déployé. C'est armée de l'Ario mené des équipements Vinla pour que la base logeant le quartier général de la mission à l'aéroport international de Port-au-Prince arrive dans le pays. C'est américain qui a sécurisé ce site-là à travers des contractants. C'est eux-mêmes qui mènent l'avion là chaque jour. Maintenant, semblé que mission a déployé dans les jours qui suivent, le 23 et le 26. Le président Kenya est aux États-Unis, à Atlanta. Le 23, le président Biden a recevoir nos missions. Excusez-moi plutôt, dans une visite d'État. Et ça, bien, bon, c'est la première fois dans 12 ans que ça fait avec un président africain. Donc ça a témoigné de l'importance que les États-Unis attachaient à déploiement de mission. Hein. Donc déploiement de mission a coïncidé avec visite d'État ça aux États-Unis. Donc une leçon qu'on a tirée, c'est que les États-Unis voulaient faire la fête, comme on dit toujours dit sur les zones de Caraïbes et d'autres médias. Et maintenant, Haïti gagne pour lui faire fort que la mission a venu. Haïti gagne une stratégie de restauration de l'autorité de l'État dans les zones assiégées par les bandits terroristes qui ont terrorisé les peuples haïtiens. Et puis Haïti gagne, le monde est venu, c'est pas eux-mêmes qui ont résolu le problème, non, ils ne parlent pas de résoudre le problème. Le maître mot de mission, c'est appui. Donc, il a bien appuyé les forces de sécurité haïtiennes. Donc, c'est dans ce sens que Haïti doit parer le monde est venu pour le dire. Mais menace là, mais cartographie menace là, mais stratégie nous-mêmes que nous gagnons, que nous avons appuyé nous avec, parce que la police nous, avec force armée nous, ne peut pas faire ça, 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 ça. Au niveau tactique, nous t'en aimons pour aider nous. Maintenant, est-ce que Haïti paraît? Bon, bref, Haïti a des problèmes de gouvernance. On conseille du présidentiel de 9 mois, qui a tâtonné. Presque 5 jours, qui a fait 11 mois depuis le conseil a réussi à mettre en place, alors que la gestation depuis le 11 mars, pas grand-rien pratiquement qui fait. Le conseil a désorganisé, pas un premier ministre, bon, un gouvernement pas conformé, le gouvernement qui a géré les affaires courantes, la même facture, pas qu'à ramasser dans le pays, voire pour aider avec le déploiement d'une force multinationale. C'est la cacophonie totale au niveau haïtien. Donc, on va vous douter que le momentum stratégique là perdu, parce que effectivement, le mission est arrivé, il n'est pas capable de passer trop de temps chez Tanan Basli, attendre l'autre troupe, policière et militaire vini. Très, très rapidement, le vini, pour même quand la PC acclimaté, lui démontrer qu'il est à la hauteur de mission que le Conseil de sécurité à Balia, on va vous douter que désorganisation au niveau d'Haïtien, manque de capacité de la partie haïtienne capable de retarder mise en place avec appui tactique mission hein, qui a délétère parce que mon enfance y a gardé, nous pourrons probablement faire il faut que vous fondez étranger, vous pourrez laisser intimider, vous pourrez faire peur, vous pourrez être cantonné dans un bas. Donc si Haïti va parler son problème, c'est ça moi. Sous plan ça tout diplomate gain quelques monde qui fait quoi que force en capable là que nous de préférence capable composer avec bandi yo ou bien une négociation avec bandi yo, gain quelques monde tout qui dit que yo poko ouais vraiment débloquer ou de déloger gang yo dans zone difficile, nous pas de gravine même ça dans Canaran dans cité soleil etc. ou même comme on a visé, est-ce que force là qui a venu là capable déloger et négazam ça ou mettre ensemble avec la police nationale, est-ce que tous les deux capable effectivement retirer nexao même capable d'exécuter tout
pour permettre que ces dernières forces qui rentrent sur ce sol là. Moi j'ai fait réflexion ça, vous pas comprendre rien. Comme d'habitude, d'abord vous monter, vous pas lire. Il suffit de lire, de s'imprégner du contenu de la résolution qui baille force là trois missions. Force là pas une mission pour la déloger bande, c'est pas mission force là. Ok. Après considérant yo, visage considérant yo, paragraphe 1 numéro 2, mission baille mission multinationale là trois objectifs ou bien missions essentielles. Aider police nationale à planifier des opérations de délogement des gangs. Aider à la planification. Deux, accompagner la police nationale lors de l'opération. Donc c'est pas mission qui va le faire ça, c'est la police nationale, les forces de sécurité haïtiennes. Trois, aider sécuriser les sites stratégiques et sensibles. Par exemple, les gares routières, aéroports métropolitains et dans le bas Antibonite, qui particulièrement touché. Donc faut qu'on le comprenne. Ok, c'est ça fait assez souvent ici. Vous pouvez monter, par exemple, le ministre a échoué. Au fait, le ministre n'a pas échoué. C'est haïtien qui ne comprend pas que le ministre n'a pas là pour faire travailler au boulot. C'est haïtien qui a responsabilité de résoudre le problème de sécurité. Haïti demande un appui au ministre international à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est responsable des questions de sécurité et de paix internationale, autoriser une mission pour aider Haïti à restaurer la sécurité. Diplomate Pierre-Antoine, lui, qui m'a dit pour policier, on a tête collée avec force l'armée et puis force multinationale à travers ensemble. Dans l'objectif pour arriver à traquer bandits avec Zamio. Pierre-Antoine, lui, qui pensait capable de gros laisser frapper entre bandits avec force multinationale là, m'a dit autorité dans l'État pour entendre pour arriver à établir sécurité dans le pays. En côté ancien diplomate dans les Nations Unies, Pierre-Antoine, lui, dans le micro Caraïbes FM. Bon, Haïti a demandé au Conseil de sécurité pour le déploiement en mission. Ça a été fait en octobre 2022. Livrant un an, mes Conseil de sécurité a délivré. Les États-Unis d'Amérique font un paquet d'efforts. C'est grâce aux efforts des États-Unis d'Amérique que mission a déployé. C'est armée de l'Ario mené des équipements Vinla pour que la base logeant le quartier général de la mission à l'aéroport international de Port-au-Prince arrive dans le pays. C'est Américain qui a sécurisé ce site-là à travers des contractants. C'est eux-mêmes qui mènent l'avion là chaque jour. Maintenant, semblé que mission a déployé dans les jours qui suivent, le 23 et le 26. Le président Kenya est aux États-Unis, à Atlanta. Le 23, le président Biden a recevoir nos missions. Dans une visite d'État. C'est la première fois dans 12 ans que ça fait avec le président africain. Donc, ça a témoigné de l'importance que les États-Unis attachaient à déploiement de mission. Déploiement de mission a coïncidé avec visite d'État ça aux États-Unis. Donc, il y a une leçon qu'on a tirée, c'est que les États-Unis voulaient faire la fête, comme on a toujours dit sur les zones de Caraïbes et d'autres médias. Et maintenant, Haïti gagne pour lui faire fort que la mission a venu. Haïti gagne une stratégie de restauration de l'autorité de l'État dans les zones assiégées par les bandits terroristes qui ont terrorisé les peuples haïtiens. Et puis Haïti gagne, le monde est venu, c'est pas eux-mêmes qui ont résolu le problème, non, ils ne parlent pas de résoudre le problème. Le maître mot de mission, c'est appui. Donc il a bien appuyé les forces de sécurité haïtiennes. Donc c'est dans ce sens que Haïti doit parer le monde est venu pour le dire. Mais menace là, mais cartographie menace là, mais stratégie nous-mêmes que nous gagnons, que nous avons appuyé nous avec, parce que la police nous, avec force armée nous, ne peut pas faire ça. Au niveau tactique, nous t'aimer pour aider nous. Maintenant, est-ce que Haïti paraît? Bon, bref, Haïti a des problèmes de gouvernance. Il y a un conseil du présidentiel de 9 mois qui a tâtonné. Presque 5 jours, qui a fait 11 mois depuis le conseil là, réussi à mettre en place alors que la gestation depuis le 11 mars. Pas grand-rien pratiquement qui fait. Le conseil a désorganisé. Pas un premier ministre. Bon, un gouvernement pas conformé. Le gouvernement qui a géré les affaires courantes, la même facture, pas qu'à ramasser dans le pays. Voir pour aider avec le déploiement d'une force multinationale. C'est la cacophonie totale au niveau haïtien. Donc, on va redouter que le momentum stratégique là perdu. Parce que, effectivement, le mission est arrivé. Il va pas passer trop de temps chez Tanan Basli. Attendre l'autre troupe, policière et militaire vini. Très, très rapidement, le vini. Pour, même quand la PC acclimaté, lui démontrer qu'il est à la hauteur de mission que le Conseil de sécurité à Balia. On va redouter que désorganisation au niveau d'haïtien, manque de capacité de la partie haïtienne capable de retarder mise en place avec appui tactique mission.
mission qui a délétère parce que mon enfant se y a gardé, il va probablement faire faut que fonder étranger, il va laisser intimider au pour faire peur pour être cantonné dans la base. Donc si Haïti va pas son problème, c'est ça moi. Sous plan ça tout diplomate gain quelques monde qui fait quoi que force en rentrer là qu'il y a de préférence capable composer avec bandi yo ou bien une négociation avec bandi yo, gain quelques monde tout qui dit que yo poko ouais vraiment débloquer ou de déloger gang yo dans zone difficile, nous parler de Gravine, même ça y est dans Canaran, dans Cité Soleil, etc. Ou même comme on a visé, est-ce que force là qui a venu là capable de déloger et négazam ça ou mettre ensemble avec la police nationale, est-ce que tous les deux capables effectivement retirer négazam, même capable d'exécuter tout pour permettre que ces dernières forces qui rentrent sur ce sol là? Moi j'ai fait réflexion ça, pas comprendre rien. Comme d'habitude, d'abord monter. Il suffit de lire, de s'imprégner du contenu de la résolution qui baille force la trois missions. Force la pas une mission pour la déloger bande. C'est pas mission force la. Ok? Après, considérant yo, visage, considérant yo, paragraphe 1 numéro D, mission baille mission multinationale là, trois objectifs ou bien missions essentielles. Aider police nationale là, planifier, ok, des opérations de délogement des gangs. Aider à la planification. Deux, accompagner la police nationale, l'aile pour faire opération. Donc, c'est pas mission qui va le faire ça, c'est la police nationale, les forces de sécurité haïtiennes. Trois, aider sécuriser les sites stratégiques et sensibles. Par exemple, les gares routières, aéroports métropolitains et dans le bas Antibonite, qui particulièrement touché. Donc, faut qu'on le comprenne. Ok, c'est ça fait assez souvent ici à vous remonter. Par exemple, le ministre a échoué. Au fait, le ministre n'a pas échoué. C'est haïtien qui ne comprendre que le ministre n'a pas là pour faire travailler. Boulot. C'est Haïtien qui a responsabilité de résoudre le problème de sécurité. Haïti demande un appui au gouvernement national à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est responsable des questions de sécurité et de paix internationale, autoriser une mission pour venir aider Haïti restaurer la sécurité.